Coucou à tous, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc je reviens sur une vidéo pour un méga haul action. Voilà, j'ai trouvé des nouveautés dans le make-up et dans les loisirs créatifs. Et j'ai pu trouver, et il y aura aussi un haul nose bien sûr. Donc je vais aller aussi vite que je peux. Je suis pas... voilà. Mais bon, je vais faire assez vite, je vais pas non plus m'éterniser. Je vais juste vous dire que vous savez les nouveautés sur les appareils d'embossage, les découpes. Je suis allée quand ils sont arrivés, mais malheureusement ça l'a vite filé. Je suis arrivée, il y en avait plus du tout. Ils étaient en code promo et donc ils étaient à 29,90 je crois, 29,99 ou 90, je sais plus, enfin environ 29 €. Donc du coup ben j'ai pas pu les prendre en promo et là je suis allée hier et donc j'ai eu la chance, mon coup de chance, voilà. Et donc quand je suis rentrée, voilà, je suis rentrée avec mon chariot, j'ai regardé où qu'ils étaient, mais je me suis dit, ah, mais il y en a plus, oh, c'est pas vrai, il y en a plus du tout. Et malheureusement, mon mari se tourne et c'est lui qui a vu qu'il y en avait juste à côté des loisirs créatifs. Juste à côté du rayon, le loisir créatif. Et donc, il n'en restait qu'une seule boîte. Alors, j'ai mon mari qui voyait la dame juste à côté. Alors, du coup, il a vite filé, il a pris la boîte. Il a pris la boîte et donc voilà. Donc voilà la boîte. Et donc je suis très contente de l'avoir vraiment grâce à mon mari qui a pu voir la dernière boîte parce que ouais, c'était la seule qui restait et elle est passée de 39,99 €, c'est ça? Ouais, c'est ça. 39,99 €. Mais écoutez. Je l'ai pris et puis voilà. Donc bah écoutez, hein, il est vraiment, il est lourd. Il est vraiment bien. Et je le trouve vraiment génial. Mais alors, ce que je peux vous dire, si je dis génial, c'est sublissimo. Voilà. Donc je vous en fais voir juste, voilà. Je vous montre pas, juste voilà la manivelle. Hein, chérie? Il est bon, oui. Ouais, il est vraiment bien. Et on a fait l'expérience avec mon mari hier. Et donc, je vais juste vous montrer les découpes. Alors, au niveau des découpes avec les dice, voilà ce que ça donne. C'est super. C'est sympa. Et ensuite, pour les embossages, j'avais écouté, ça l'embosse très bien. Il n'y a pas de difficulté. Ça, c'est super. Hein, t'as vu, chérie, c'est maniable. Et ça bouge pas. Hein, parce que. Et non, il y a les voilà des plastiques qui... Mais c'est vraiment bien lourd. Mais ce que je peux vous dire, malgré que c'est lourd, c'est vraiment chouette. Et voilà. Hein. Et je suis vraiment très contente. Mais vous pouvez vous imaginer que je suis vachement contente. Voilà, donc c'est vendu avec ces appareils-là. Hein. Vous savez, les plaques comme ça. La A, la B, il y a deux B. Voilà, la A, les deux B et la C. Voilà. Et donc, en plus de ça, il y a les deux dice, voilà, en forme de cœur, en forme de rond, voilà, ce sont des tout petits, et c'est vendu avec ceci, voilà, nous en avons deux, voilà, donc j'ai trouvé ça tip top, voilà, pour tout vous dire, j'en suis contente et ravie, voilà, donc je suis très contente. Voilà, vraiment, c'est super, c'est maniable. Vous faites passer voilà, les choses, vous, voilà, en avant, en arrière, et c'est super. Voilà pour ce qui est de la machine, voilà. Donc, c'est la seule qui restait, et voilà. Hein, donc, bah, écoutez, hein, j'en suis toute contente et toute ravie. Voilà. Donc, je voyais la dame, oula, puis en plus, il y avait un de ces mondes hier, alors je vous dis pas. Mais bon, je vais passer maintenant au loisir créatif, hein, vite fait. Donc, pour commencer, alors, j'ai pris, je mets ma petite poche juste à côté. J'ai pris deux rouleaux de ruban. Alors, un plus grand au niveau de la largeur. C'est des étoiles, hein, c'est très joli. Et un rose avec des petits points blancs. Voilà, comme ceci.
Voilà, il y en a deux. Ensuite, j'ai trouvé les nouveautés. Alors, ce sont des... comme ceci. Alors, je les trouve vraiment très jolies aussi. Hein. Alors, j'en ai pris de cette sorte-là. Voilà. Et j'ai pris de cette... de ce thème-là. Voilà. C'est très joli aussi. Alors, il y en avait sur d'autres thèmes aussi. Mais j'ai pris celle-là, donc voilà. J'en ai pris deux, c'est déjà bien. Ensuite, au niveau de perles, j'en ai encore des comme ça, mais ça, c'est des nouveautés. Donc, il y a des bleus, clairs et gris comme ça, c'est super. J'en ai pris un seul. J'en ai pris un seul comme ceci aussi, voilà. Donc, je le trouve sympa, voilà. Et j'en ai pris une comme ceci, voilà. Je trouve que c'est génial. Voilà. Ensuite, j'ai pris des petits rouleaux comme ça de ruban Noël. Voilà, des ribbons Prisma. Alors, dans le thème avec des petites étoiles, etc. C'est très joli. J'en ai pris une comme ça avec le Père Noël, comme ceci. Très joli. Et oui, octobre, novembre, décembre, dans deux mois, c'est Noël. Hein, vous allez me dire, c'est les fêtes. Comme ceci. Voilà. Ok, la jolie. Hein. Ensuite, j'ai trouvé nouveauté aussi hein, chez Action. Alors, ce sont des... il y en a 8 pièces. Des sets de tampons en bois. Voilà. Donc, c'est... voilà, c'est tout nouveau. Comme ceci, c'est très joli, avec des reflets, alors, très sympa je trouve, là aussi, comme ça, voilà, j'en ai pris deux, ce sont des tampons en bois, deux paquets, voilà, j'ai pris, alors, des petits personnages comme ça, des petites épingles, hein, comme ça, voilà, j'en ai pris, comme ça, voilà. Voilà. J'ai pris alors, ce sont des sets de décoration. Alors, c'est des petits pompons, des rubans de pompons verts avec des voilà, petits breloques comme ça, là, sympa. Et j'en ai pris comme ceci, orange. Et j'ai pris violet. Et ensuite, bien sûr, il y a le ruban aussi. Hein. On a trois choses en fin de compte. Hein. Voilà. Là aussi. Je ne sais pas si vous les avez trouvés dans votre action. Je les trouve vraiment génial. J'en ai pris voilà, trois sortes. Voilà. Ensuite. Ensuite, je fais aussi vite que je peux, sinon prenez un petit café, hein, mettez-vous à l'aise. Nouveauté aussi chez Action, ce sont des, on va dire des stickers, hein, des autocollants 3D, c'est nouveau. J'en ai pris en forme de panda, je crois, c'est des petits pandas. Hein, qu'est-ce que t'en penses toi chérie? Hein chérie? Cœur? C'est des pandas ça? C'est en panda. Oui. Là, j'ai pris comme des petits chiens. Ah. Voilà, comme vous pouvez le voir, ce sont non, des petits chiens. Non, c'est pas des pandas. C'est, non, c'est des petits bonhommes de neige. Ah ouais? Oui. Des petits bonhommes de neige. Vous m'en direz pas. Si. Avec si Nicolas, viens voir. On dirait pas. Par là, par là. Si, c'est des bonhommes de neige. Non, on dirait pas des bonhommes si, de neige. Si, bonhommes de neige, rien. Voir. Voir. Hein? Si, tu crois? Bah ouais, je sais pas. Je sais pas. Bah dites-moi ce que vous en pensez parce que je vois pas ça vraiment. Ça ressemble à des petits bonhommes de neige. Ou des pandas, on dirait rien. Bah ça ressemble pour moi à des petits bonhommes de neige. Parce qu'ils ont des petites mains devant, non, je sais des pas. Fantômes. Des fantômes. Enfin, on verra bien, c'est très sympa. Et là, ce sont des marguerites avec des petites perles en pierre. Voilà, des les nouveautés, hein, j'ai trouvé ça très sympa. Vous en avez d'autres aussi. Des petits fantômes. Voilà, et là j'en ai pris comme ceci. Je crois que j'ai pris tous les thèmes. Hein.
Là, ce sont des papillons. Ouais, moi, je pense que des je pense que c'est des nounours, je crois. Des petits nounours, hein. Ouais, je pense, oui. En regardant bien, c'est des petits nounours. Bah, vous me direz ce que vous en pensez, vous verrez bien. Des petits nounours. Des petits nounours. Ensuite, j'ai pris des tampons, c'est ça. Alors, ouais, c'est ça, plus le moule à découper. Voilà, c'est pour, c'est Noël, dans le thème de Noël, hein, c'est ça. Oui, c'est dans le thème de Noël. Voilà, très sympa. Voilà, j'en ai pris que deux, je crois. Ouais, j'en ai pris que deux, avec des bonhommes de neige, un sapin et le joli petit bonhomme de neige. Voilà, très sympa. Oh, je trouve ça vraiment chouette. Voilà, on arrive dans deux mois, c'est Noël et je trouve ça très sympa quand même. Voilà, donc j'ai pris. Alors, pour la machine, voilà, donc très sympa là aussi. Hein. J'en ai pris un comme ça. Voilà. C'est celui-ci que vous voyez, donc avec des petites... voilà. Ah, c'est beau. Moi, je trouve ça sympa. Voilà. Et j'en ai pris un comme ceci. Voilà. Et ensuite, j'ai trouvé des dice. Alors, nouveauté chez Action. Hein, je me suis lancée. Et oui, donc j'en ai pris un comme ceci, en forme de cœur. Voilà. J'ai pris comme ceci, voilà, très joli, en forme de papillon, il est très joli d'ailleurs, voilà. En forme de couronne. Ouais, on peut dire, c'est très joli. Là, c'est, je sais pas, tu peux marquer un mot à l'intérieur, il suffit de, je sais pas. On verra bien. En tout cas, c'est très joli. Les dies sont très, très, très jolies. Voilà. Comme ceci. Comme ça. Une petite maison. Et le dernier. Voyons ce qu'on peut dire. Ouais. Mais c'est très joli. Voilà. Alors, après, il y en a d'autres. Vous avez le choix. Moi, j'en ai pris quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai pris 8. Donc, déjà, c'est déjà bien. Ensuite, j'ai pris. Alors, j'ai pris une petite pochette comme ça. Vous savez, les petites pochettes plastiques pour. Voilà. J'en ai pris qu'un seul paquet. J'ai pris repris du fil d'aluminium. Ils en ont remis d'autres. J'ai pris un blanc, vu que j'ai du rose. Hein. J'ai pris un jaune à peu près et un orangé. Voilà, on va dire cuivré. J'en ai pris 3. Voilà, très bien. J'aime bien travailler avec ça. J'ai pris des pelotes de laine. Une comme ceci, comme ça et comme ça. Bon, c'est sympa, j'aime bien. Ensuite, nous passons. Alors, nous passons. Alors là, je vous montre. Voilà. Alors, ça, c'est dans le thème de Noël. Christmas, ce sont des 16 par 15 cm. Bloc de papier étoile de Noël, voilà, donc vous les découpez d'ici, puis vous les voilà, vous les assemblez et vous en avez pas mal, hein. Voilà, c'est super, moi j'aime bien. J'en ai pris un bloc. Là, ce sont sur un thème, c'est nouveau, bloc de papier dessin 30 feuilles et 3 fois 10. Voilà, comme ceci, hein, voyez. Voilà. Voilà. Des cœurs. Rose, comme ça, noir.
des roses avec des reflets. Très sympa, je trouve. Voilà. Là, c'est vraiment comme ceci. Ouais. Voilà, très joli aussi. Comme ceci. Voilà. Avec des reflets aussi. Hein. Et voilà, pour le premier bloc, le deuxième. Là, sur le thème, on va dire, il y a Paris. Donc là, ce sont des cœurs. Si je ne me trompe pas, des anges. C'est très joli. Là, il y a Paris. La tour Eiffel de Paris. C'est beau. Là aussi. C'est beau. Des reflets, c'est beau. Hein. Voilà encore, Paris. La tour Eiffel, c'est marqué. Voilà, encore la tour Eiffel. Hein. Paris. Là. Comme ça. Là. Comme ça. Voilà. Fini pour les blocs. Je passe alors. Là, j'ai pris un paquet de... si je le mets à l'envers, ça va pas le faire. Carte de fond texture métallique. Ce sont des feuilles métalliques, des blocs métalliques. J'en ai pris un paquet de blanc et de couleurs. Un bleu foncé, bleu clair, violet, noir, rouge et vert. Voilà. J'en ai pris deux paquets différents. Voilà, très sympa. Et là, nous sommes sur le thème de Noël. Voyez. Ce sont des boules. C'est bien, hein? Mmh. T'as vu les boules? Oui, c'est trop beau. Mmh. C'est vraiment génial. Vous voyez? Ah, c'est super. Moins de bruit. Voilà, après vous avez les explications pour les montages, tout ça, c'est super, c'est génial, c'est tip top. Là, je n'ai pris qu'un bloc. Là j'ai pris des miroirs carton avec effet miroir, c'est vraiment sympa. J'en ai pris qu'un seul. Voilà, on passe là ce sont des blocs de en couleur. Vous voyez, j'en ai pris qu'un seul. Là, c'est uni, c'est-à-dire il y a uni, il y a du jaune et du blanc. Là, j'en ai pris un plus différent, un jaune plus clair et là du blanc. Voilà. Ensuite. Donc, alors, nous passons après. Voilà. Donc, ensuite, mon mari s'est pris, nous a pris. J'ai pas ce petit hérisson que t'adores. Et il en a pris deux, des petites hérissons. Alors pour lui, ça porte chance. Donc voilà. Donc je les trouve très mignons. Ils sont très très mignons. Donc leur petit bout de nez. C'est très mignon. Et leurs mini pattes. C'est mignon. Voilà, je trouve ça vraiment très mignon. Alors, je vous les montre comme ça. Regardez. C'est mimi. Et puis ça n'avance pas rapidement, ça. Oui, ça galope pas mal. Ah ouais, ça mange des salades. Ça mange de la viande aussi. De la viande. Beaucoup de viande. Ah ouais, mais des légumes aussi. Des légumes, des fruits. Ouais. Des... Voilà, dans les jardins. Ouais. Et ça mange pas l'hiver. Voilà. Ah, ça mange pas l'hiver, ah, alors. D'accord. Ça va chaud l'hiver. D'accord, ok. Ensuite. Ça fait toute l'été. Ensuite, mon mari m'a offert, alors, mon mari m'a offert une belle écharpe pailletée. Allez, vous voyez, c'est pailleté. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Elle est de couleur blanche. Je trouve vraiment sympa. Très jolie. Elle est toute douce. Ouais. Ouais. Sympa, hein? Voilà. Ensuite, il a pris... Des croquettes pour un grisette. Voilà. Ouais, parce que la mauvaise nouvelle, c'est que
On a perdu un chat. C'est les chats. Par les voisins à côté. Par les voisins à côté. Je sais pas. Donc il chassait peut-être un. Il chassait parce qu'il n'a pas été mordu par aucun chien, parce qu'on a été voir la mairie et la mairie a fait en sorte que mais qu'il sorte plus ses chiens, parce que ses chiens étaient juste à ras du. Après il est mort. De côté de notre grillage. Après bizarre. Ouais, c'était bizarre. Il est mort. Ils ont dû le prendre pour le mettre. Le chien de côté. Le jeter. Lui qu'il avait des plumes encore de poule. Oui, mais les yeux ouverts. Non, il avait des plumes d'oiseaux. Des plumes d'oiseaux, ouais, c'est ça. Oui, oh. Les yeux ouverts en plus. Ben ouais. Donc voilà. Donc du coup, Grisette que vous connaissez, que je fais voir en vidéo la plupart du temps. Et ben écoutez, je la garde dans ma maison. Elle est dans mon garage et elle sort, elle vient, elle fait des va, elle fait des vient et va dans la maison, mais je ne la sors plus. Voilà. À cause des gens qui sont méchants. Exactement. Pas très sympathique et pas très chaleureux non plus. Donc puis en plus de ça, j'ai hâte de déménager d'où je suis. Parce que c'est pas. Ouais, exactement. Donc on a pris, mon mari a pris des croquettes Félix, de la marque Félix. Donc c'est une bonne marque. Tu les as pris chez Action. Chez Action, c'est ça? Chez Action. Voilà. Et donc ensuite il a pris des Kit Kat là aussi. Et voilà. Caramel était de cette couleur là, caramel. Voilà. Vous les connaissez, qu'est-ce que j'avais, parce qu'ils n'ont pas encore tout à fait un nom, je ne sais plus. Parce que je les ai marqués sur mon agenda, leur date. Et je sais que dans les vidéos que j'ai faites d'avant, je les avais montrés tout bébé. Voilà, donc. Il ressemblait à lui. Là. Voilà, exactement. Il ne ressemblait pas à sa maman, Frisquette. Parce que. Non, Frisquette, je peux la laisser dehors parce que Frisquette, elle ne va pas à l'arrière. Elle va dans le champ, elle est déjà assez âgée et donc elle va de l'autre côté du champ. Et voilà quoi. Donc. Mais voilà. Donc ça leur fait des petites nourritures comme ceci. Ensuite, il a gâté la petite Grisette en lui achetant. Il n'y en reste pas une dernière comme ça. Elle l'a mangée ce matin. Donc il lui a pris des petites bouchées comme ça. Voilà. Voilà, très sympa. Des petites bouchées. Voilà, c'est des petites bouchées pâtées pour chat. Très sympa. Ben ouais, elle a tout mangé. Hein. voilà. Donc, j'aime pas trop parler du fait que j'ai perdu. Un petit chat. Voilà. Déjà que ça en fait trois, j'ai déjà perdu Caprice, une petite chienne que j'aimais beaucoup. Elle était vraiment bébé. Elle était. Caprice, elle devenait pas grande, hein, elle aurait resté toujours petite. Hein. On a perdu aussi. Fifi, et puis Blanco. Ah mais c'était Fifi la première qui était morte. Oui, mais Blanco aussi. Blanco. Et là, c'est Caramel. Et là, voilà. ça nous fait 4. Donc ensuite, on a pris des bougies. Voilà, comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais prendre ce que j'ai pris pour la petite dernière. Alors, pour la petite dernière... c'est une petite valise avec ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pour soigner, pour jouer à ceci. Voilà. Comme ceci, on a ça dedans. Pour mettre la dent. On a ça. Et la dent, on peut la prendre. Ah oui, la défaire, les dents, on peut les défaire. Oui, derrière. Et une seringue. Voilà, c'est ce qu'elle a voulu. Après un petit dentifrice. Ça s'ouvre. On peut mettre de l'eau. Voilà. Après ceci. Une petite pince. Voilà. La petite brosse à dents. Et après, voilà. Voilà, tout le matériel qu'il faut pour soigner les dents. Et là, on peut l'enlever. Hein, voilà. Elle l'a enlevé. Et donc, on remettra. Pas de côté, maman.
De quoi? Ah oui, si tu veux, ouais. Non, non. Ensuite, je lui ai pris une collection de des petites princesses. Donc, voilà. Comme ceci. La petite collection à 3 euros. Ah, vas-y, jouer. Ça fait trop voilà. Cool. Il y a Blanche-Neige. Alors, attends, non. Blanche-Neige, elle est là, Blanche-Neige. Blanche-Neige. Alors, il y a Blanche-Neige. Bah ouais, mais... Voilà, ok. Non, c'est que... Ça, c'est son... Oui. Voilà, donc j'ai mis en pause pour pouvoir déballer voilà, les petites princesses. Donc, voici Blanche-Neige. Voilà, nous avons Blanche-Neige. Très belle petite Blanche-Neige. Voilà, tiens. Ensuite, nous avons Princesse Réponse. Les princesses que j'aime. Voilà. Je les regarde toujours. C'est vrai. Et là, nous avons la Belle au bois dormant. Voilà. Si je ne me trompe pas, je crois que oui. Voilà. Ensuite, nous avons Cendrillon. La Belle Cendrillon. Voilà. Donc ensuite, nous avons... La Belle. Et la Bête. Voilà. Il fait la Belle et la Bête. Voilà. Toute ravissante. Et ça, c'est la petite sirène. Ariel. C'est Ariel, je crois, oui. La petite sirène. Voilà. 3 euros la boîte des petites princesses. Et ensuite, pour terminer, elle a voulu se prendre un sac d'Hello Kitty. Voilà. Comme ceci. Très maman, joli. Il y a quelque chose dedans. Et donc, voilà l'ouverture. Alors, je vous montre l'ouverture. Donc, c'est très sympa. Voyez. Donc, il y en a deux ouvertures. Nous avons là celle-ci. Alors, il y a le petit biberon aussi que je lui ai offert chez Action. Vous voyez. On peut l'ouvrir, ça aussi. Ouais. Voilà. Et donc, l'intérieur est comme ceci. Avec un petit compartiment. On referme. Et l'autre, c'est un deuxième compartiment où il y a. Alors, ici, nous avons. Deux pochettes. Voilà. Et de l'autre côté, alors après, nous avons l'intérieur qui est plus grand, hein, spacieux. Et nous avons une autre intérieur. Voilà. Comme ceci. Voilà. Ensuite, mon mari, alors, lui qui va pas bricoler, mais peindre. Donc, on a pris, il a pris un petit pot comme ceci. Alors celle-ci c'est de la grise je crois ou la bleue. La bleue je crois. Non, oui c'est la bleue celle-là. Non. La bleue je pense. Et celle-ci c'est une bleue marine. Hein. Ouais. Et là c'est la grise je crois. Ouais. Voilà. Donc voilà. Deux. Avec les deux. Deux petits pinceaux. Voilà. Donc. Non, je plaisante. Voilà. Donc, maintenant, on va passer... Ouais, voilà. Ça fait un petit peu large quand même. Hein. Donc, maintenant, je vais passer au hall Nose. Désolée, j'avais pas fini le hall Action. Parce que j'ai des nouveautés dans le make-up, donc j'aimerais vous les montrer. Donc tout d'abord, je passe à des déos que j'ai pris pour mes deux garçons. Alors j'en ai pris un Adidas 48 heures, voilà, comme ceci. Alors ils verront bien. Voilà, c'est les deux marques Adidas, mais pas de la même, voilà. Donc ils verront bien. J'ai pris pour mon mari, je lui ai repris le William 48 heures, invisible, anti-trace blanche, voilà, anti-humidité, anti-odeur, voilà. Et donc, c'est super.
Donc on passe sur une 200 ml bien sûr. Voilà, et donc les déos Adidas ce sont sur des 150 ml. Voilà. Ensuite, je passe alors de chez Max & More. Je ne sais pas si pour vous, vous l'avez déjà. C'est un duo contour stick contour highlight, comme ceci. Voilà. Donc, c'est la 171. Donc, j'aime pas les emballages. Voilà, comme ceci. C'est un duo en fin de compte. Hein. Vous avez le highlight ici. Et là, le. Voilà. Pour faire un contouring. Voilà. Donc, c'est super. Alors, après, je vais peut-être quand même vous le swatcher, mais je sais pas. Voilà. Je pense que oui, on y verra quelque chose. Voilà. Voilà, le light est là. L'autre est comme ceci. Hein. Super quand même. Hein. C'est génial. Voilà. C'est sympa. Après, l'odeur. Hein. Voilà. Mais c'est super. On verra bien. On testera. Et on verra. Voilà. Max & More. Voilà. Ensuite, j'ai pris des petites boules comme ça. Alors, j'ai déjà la bleue et la rose. Et là, j'ai pris le violet. Vous savez, c'est pour faire des mèches sur les cheveux. Si tu ferais moins de bruit, ça serait top. Parce que là, voilà. Donc, comme ceci. Voilà. Hop. Ensuite, je passe à des ampoules. Il y a 7 ampoules. De la marque Elisa John. Voilà. Donc, il y en a 7. Donc, il n'est pas écrit en français, malheureusement. Mais vous avez la notice qui explique qu'il faut casser une ampoule, le mettre dans le creux de votre main, l'utiliser. Hein, mais pas aussitôt. Hein, utiliser l'ampoule aussitôt. Et ensuite, vous le maxez bien sur. Voilà. Puis vous le mettez bien sur le visage, sur le décolleté, le cou et le décolleté. Voilà. Donc, oui, ce sont des petites ampoules comme ceci. Hein, vous voyez, il n'y en a pas beaucoup, juste là. Et donc, voilà. Après, on a le petit truc dans le machin. Je sais que je l'ai. C'est un truc pour casser. Voilà, c'est ça. Je pense que ça sert à casser l'embout de l'ampoule. Donc voilà. Donc, hop. Je mets ça là. Ensuite, nouveau chez Max & More. De la marque Max & More. C'est un highlighter drum. Voilà, comme ça. J'ai pris que celui-ci. Voilà. Le 131. Donc, hop. C'est en pipette hein, en fin de compte. Voilà, c'est en pipette. Voilà. Voilà, vous voyez, ça l'a fait pouf. C'est en pipette. Donc on va juste. Voilà, comme ça. Juste voir l'effet que ça fait. Ouais, c'est pas mal. Voyez. Donc, à tester. Voir. Voilà, comme ça. Donc, on verra bien. Et alors, j'ai trouvé nouveauté. Alors, j'ai pas vu depuis sur vos vidéos si vous l'avez trouvé ou pas. C'est une toute nouvelle palette de chez Action. Elle est vraiment super. Le packaging est vraiment génial. Voilà, il n'y a rien à redire. Vraiment, c'est génial. Voilà, j'enlève le petit scotch. Et donc, voici. Alors, vous allez me dire, hein, il est flashy.
Voilà, avec toutes ces petites couleurs comme ça, avec des reflets arc-en-ciel. C'est trop chouette. Non mais regardez-moi ça. Et alors après on ouvre. Voyez. L'ouverture est facile. Et là vous avez la fameuse petite glace. Voyez. Et donc là nous avons les couleurs. Voilà. Donc moi je ne les ai pas encore swatchées. Nous avons les deux petits pinceaux, voilà, que je n'utiliserai pas. Je vais tester le blanc, swatcher le blanc, regardez, il est trop génial. Voilà, ensuite je vais swatcher, cherche-moi un petit mouchoir Marcus, sur ma table là-bas, je pense que je dois en avoir. Ça c'est un rouge, on va dire. La pigmentation est vraiment spectaculaire, vraiment c'est tip top. Ensuite, on passe à un rose. Oh, regardez-moi ça, oh, c'est trop beau. Ah non mais c'est trop génial. La pigmentation est incroyable, vraiment je vous dis c'est... Oh, regardez, j'ai pas été pour un rien, vraiment. Vraiment c'est incroyable. Ensuite, je vais tester celui-ci. Et il est un peu plus clair. Voilà. Oh, ils sont magnifiques. C'est tout ce que je peux vous dire. Trop génial. Regardez les couleurs, c'est trop génial. Ici, là, là et là, c'est trop beau, sublissime les couleurs. Magnifique, magnifique de chez Magnifique, vraiment. C'est trop beau. Voilà, celle-ci. Vous voyez les couleurs. C'est tip top. Vraiment, c'est génial. Quoi demander de plus? Je me le demande. Voilà. Donc, magnifique les couleurs. Belle présentation de palette avec avec son miroir, très sympa, son petit miroir, voilà, c'est sympa. Alors je vous dis à courir chez Action, c'est tip top. La palette, je vous dirai ça tout à l'heure, combien qu'elle vaut. Voilà, c'est Rayleigh Trulli Gorgeous. Voilà, et la palette est tip top, c'est magnifique. Voilà, donc je passe au haul nose. Pour finir, alors mon mari m'a pris des petits gâteaux au caramel. Ils sont super bons. Ils sont tip top. Alors, on le dit. Voilà, le caramel. C'est trop bon. Ouais. Caramel. Il m'a pris des chocolats comme ceci. J'en ai 4. Et 3 comme ceci. Voilà. Mais ceux-ci, ils sont trop beaux. Ouais. Excellent, mal. Et c'est là. C'est tip top aussi. On va juste goûter. Il n'aime pas trop. Voilà. Comme ceci. Mmh.
j'attaque le haul-nose. Parti. Que j'attaque vite fait le haul-nose. Donc, c'est parti. Je commence par le make-up. Donc, pour le make-up, je passe à un, on va dire, un fond de teint de la marque P2. Il m'a coûté 1,19€. Voilà. 1,19€. Et donc, c'est une marque. Alors, comme j'ai regardé, j'ai fait une recherche. Ce fond de teint naturel léger avec un effet anti-brillant. Voilà. Donc, c'est une 30 ml. Voilà. Donc, on verra bien. Voilà. Comme ceci. Voilà. L'odeur est pas mal, on verra bien. Ensuite, je passe alors. Je passe à un stick de la marque P2 aussi. Toujours. Voilà. Donc le packaging est vraiment super. C'est un petit roll-on. Il fait 2 en 1. Alors, il m'a coûté 1,19€. Aussi. Voilà. Donc. Voilà, c'est un duo. Je vous montre un peu quand même. Voilà, c'est un duo. Il y a 3 couleurs en fin de compte. Orange, est-ce qu'on peut dire orange, rose et un très clair. Voilà, comme ça, un beige clair. C'est un duo. Soit vous faites en blush ou soit en rouge, mais je n'utiliserai pas comme rouge, mais plutôt en blush. Voilà, donc. Je vous le swatch tout de même, ça fait ceci, voilà, comme ça. Bon, j'ai pas trop marqué. Après, vous fondez les couleurs. Ça sent bon. Voilà, ça fait comme ceci. Bon, j'ai pas trop marqué, bien sûr, mais voilà. Hop, on remet le bouchon en faisant bien attention, et voilà. De la marque P2. Voilà. Pour le stick. Ensuite, je passe à 3 vernis. Alors, de la marque ELF. Moi qui ne commande jamais sur internet. Donc, pour ma part, c'est comme ça. Je ne le fais pas. Je ne trouve pas à redire sur les autres personnes. Voilà, chacun a le droit de faire comme il veut. Voilà, moi je ne commande pas. Je ne préfère pas. Personnellement, pour moi, non. Donc, contente pour moi d'avoir trouvé de cette marque là. Donc j'ai trouvé un vernis et il m'a coûté 99 centimes. Voilà. Donc ensuite, alors voilà. Voilà. Donc la couleur est comme ceci. Voilà. Hop. C'est un rose. Comme ceci, de la marque ELF. Ensuite, je passe à une marque, je ne la connais pas. Alors après, vous, vous la connaissez peut-être, c'est de la marque Easy. Voilà, donc c'est un cuivré à peu près, comme ça. Très joli. J'aime bien, c'est magnifique. Après, ouais. Moi, j'aime bien. Voilà ce que ça fait. Voilà, c'est très joli. Voilà pour le deuxième. Et le troisième, c'est de la marque et il m'a coûté 85 centimes. Voilà. Celui-ci, je vous l'ai dit, hein, c'est 99 centimes. Voilà. Et ça, c'est la marque L'Orléac. L'Orléac. Alors, je ne sais pas. On va dire comme un gris, comme ça. Très sympa aussi. Très joli, j'aime bien. Ah, il est beau, métallique. L'autre aussi est un peu métallique, voyez. Voilà, très bien, très joli, comme on peut dire. Ensuite, j'ai pris alors une marque que je connais, hein, bien sûr, la marque L'Oréal. Je croyais que c'était des un duo rouge à lèvres, mais non, c'est un vernis.
Donc il m'a coûté 99 centimes aussi. Voilà. Donc là, vous mettez le vernis. Bien sûr. Hop. Une couleur orangée comme ça. Je vais vous swatcher. Très joli d'ailleurs. Voilà comme couleur. Voilà, très joli moi je trouve. Très sympa. Et là vous avez le... Vous mettez le vernis et ensuite vous posez ceci. Donc, bref, j'ai le truc qui tient le morceau, donc pas facile. Après vous posez par-dessus le vernis. Voilà, très sympa. Voilà, il y en avait en couleur vert je crois, ou bleu comme ça, bleu marine, bleu vert, enfin je sais pas, vert. Enfin, j'ai pris celui-ci, je préfère mieux cette couleur là ensuite j'ai pris un rouge à lèvres Miss Broadway. M'a coûté 99 centimes aussi. Hein. Voilà le prix. Donc, hop, on va couper là. Voilà. Comme ceci. Voilà le rouge glossy. Ouais, l'odeur est pas mal. Ça sent bon. C'est pas désagréable. Voilà. Pas mal, hein. Super. Alors là, j'ai pris dans la gamme ELF. Alors, c'est un fard à paupières. Comme ceci. Il m'a coûté, par contre, 99 centimes. Voilà. C'est nouveau, ce qui est marqué dessus sur la boîte. Voilà, c'est un petit tube comme ça, bleu. Voilà. Donc après, la pigmentation est-elle super? Ah oui, vraiment. Tip top. Alors, une pigmentation... Voilà, c'est génial. Donc, rien à redire. Hein. Voilà. Et là, nous passons dans la même gamme, ELF. C'est un gloss pour les lèvres. Et celui-ci, 99 centimes aussi. Voilà. Ensuite, je passe à un baume à lèvres de Miss. Voilà, comme ça. Donc, c'est un baume à lèvres gourmand. La 280 rose bonbon. Et le prix 1,50€ quand même. Voilà, mais bon, ça va, c'est pas terrible, on va dire. Donc, encore, c'est raisonnable. Voilà. Comme ceci. Voilà. Ah, il est super. Ah, ça sent bon quand même. Ouais, c'est sympa. Génial. Ensuite, une petite palette comme ceci. Voilà. Elle m'a coûté 89 centimes. Voilà. Donc, je me trompe pas de côté. Il y a le petit pinceau. Voilà. Les couleurs sont un peu nudes. Voilà, mais très sympa. Jolie couleur, une bonne petite pigmentation tout de même, c'est sympa aussi, hein, ouais, c'est génial, hein. Voilà, comme ceci, très sympa. Voilà.
Et le dernier, pour finir, voilà. Elles sont très sympas les couleurs. Voilà. Voilà, voilà. Ouais. Pour 89 centimes. Que demander de plus? Ensuite, je vais dans une gamme WAPA. Je ne sais pas si vous connaissez, mais les couleurs sont géniales. La couleur WAPA, c'est une marque WAPA, une marque espagnole de qualité professionnelle. Voilà, comme ceci. Donc, pour de chaque, pour les trois boîtes de chaque, ils m'ont coûté 89 centimes. Voilà. Et donc là, je passe à un fard. Le packaging est vraiment super. C'est vraiment tip top. Et alors, c'est le 008. Voilà. Voilà la boîte. Et donc, voilà avec la marque. Son petit logo W. Et voyez la couleur. C'est toute pailletée. Vraiment, c'est génial. La pigmentation. Et vous voyez comme c'est. Les couleurs sont. La couleur est magnifique. Oh, non, mais vraiment. Oh, c'est tip top, c'est génial, c'est magnifique. Voilà pour la première couleur. La deuxième, ben, toujours hein, 89 centimes, hein, toujours pareil, ça ne change pas. Là, celle-ci, elle est comme ceci. Voilà. Donc, hop. Oh, les couleurs, la couleur est magnifique. Voyez, hop. Comme ceci. C'est super. Et le dernier, c'est un rose, on va dire. Toujours pour 89 centimes. Voilà. Comme ceci. Bon, je vous dis, le packaging est vraiment génial. Et celle-ci, elle n'est pas pailletée par contre. C'est juste comme ça. C'est juste magnifique, quoi. Voilà. C'est un rose vraiment clair, magnifique. Voilà. C'est juste parfait. Ensuite, j'ai pris un crayon pour les yeux. Il m'a coûté 79 centimes. Voilà, et c'est de la marque La Femme. Ouais, La Femme. Voilà, petit crayon. Voilà, donc super. Ensuite, je passe à un mascara nouvelle formule de Miss Den Paris. Mascara volume. Voilà, résiste à l'eau. Eh ben super, hein. Voilà, noir profond. Donc hop, c'est un petit peu sombre là. Ouais, un petit peu sombre et c'est le 970. Donc le voilà comme ça. C'est un mascara comme ceci. Très sympa, après à tester bien sûr. Hein. Mais vraiment, il est super. Hein. L'odeur est pas désagréable. Voilà sa petite brosse. Nickel. Donc, on verra bien. Voilà. Donc, il m'a coûté 2,50€. Voilà, 2,50€. J'ai repris pour 99 centimes. Alors, c'est le melon meringue. À ce qu'il paraît, c'est une. Si je le mets à l'endroit, ça va le faire. Hein. Des incrustants au sucre fouetté. Voilà, c'est au sucre fouetté. J'en ai déjà utilisé, je l'ai déjà utilisé. Et je peux vous dire que j'adore son odeur, j'adore son. Voilà, son gommage. Il est vraiment nickel. Vraiment. C'est super. Rien à redire. Ensuite, j'ai pris dans la gamme ELF, toujours pareil, mais je les mettrai dans un concours. Je me suis trompée dans les tons, mais bon, c'est pas grave.
Ils m'ont coûté 99 centimes de chaque. Voilà, celui-ci, voilà, 99 centimes aussi. Alors, je ne sais pas si vous les connaissez. Voilà, la petite boîte, c'est comme ceci. Apparemment, ils n'en disent aucun mot en français. J'ai fait une petite recherche. Et donc, c'est un fond de teint, mais c'est poudreux. Mais voilà, donc j'ai enlevé juste l'étiquette dessus, mais je n'ai pas, voilà, juste pour voir. Mais pour moi, personnellement, voilà, donc j'en ai pris un comme ça et l'autre est comme ceci. Par contre, l'autre, je n'ai pas enlevé l'étiquette. Voilà. Voilà, lié. Donc, voilà. Donc, pour ceux qui connaissent et qui ont l'habitude d'en mettre, moi, personnellement, voilà. Donc, je les mettrai de côté. Ensuite, j'ai pris, c'est un correcteur, une 5 ml. Il m'a coûté 19 centimes. Vous voyez, 19 centimes. Vraiment 19 centimes. De la marque P2. C'est un correcteur. Voilà. Super. Un petit correcteur crème. C'est génial. Voilà. Et ensuite, j'attaque de la marque P2. C'est une base à paupières. 1,19€. Voilà, je pense. Hop. Comme ceci. Hop. C'est génial. On verra de quoi ils s'en retournent vraiment. Voilà. Pour tout ce que j'ai pris d'ailleurs. Ensuite, je finis avec un paquet d'Always. Voilà, il y en a x12. J'ai l'habitude de prendre des marques Always, que ce soit Nana, etc. J'aime bien. Voilà. Ensuite, j'ai pour finir, dans le make-up, bien sûr, ceci. Ce sont des boucles d'oreilles avec le collier. Voilà, comme ceci. Voilà, pour 1,29€. Je vous montrerai le prix. J'ai pris le collier avec le collier et les boucles d'oreilles qui vont avec pour 1,29€. Voilà, ils sont tous à 1,29€, hein. tous. Voilà, j'ai pris un rose comme ceci, vous voyez, les boucles d'oreilles comme ceci, voilà, le collier. J'en ai pris comme ça, voilà, pour 1,29€ aussi. Très joli collier aussi, avec les boucles d'oreilles. Voilà. Et je les ai pris en feuilles aussi. Avec des petites feuilles blanches comme ça. C'est très joli, je trouve. Le collier est magnifique aussi. Ça fait très joli. Voilà. Voilà. Pour ce qui est du make-up, c'est terminé. Alors, j'ai pris du côté loisirs créatifs pour une fois chez Noz. J'ai pris les tampons, enfin les tampons à ancrer de l'encre, bien sûr. J'ai trouvé ça. Donc il m'a coûté 1,20€. Voilà. Comme ceci. Voilà. J'en ai pris un autre pour le même prix. Hein. 1,20€ aussi. C'est un bleu. Voilà. Un rose et un bleu. Voilà, là j'en ai pris des lots comme ceci, voilà, pour le prix de 1,20€, pareil, voilà. Ensuite, je passe à les, ça m'a coûté 1,99€, j'essaie d'aller faire vite. Donc ce sont des tabuleuses bricoles, voilà, il y a toutes sortes de choses hein, pour bricoler. Alors nous avons, que je dis bien, de la feutrine, des paillettes et des boutons, des strass, des cordons, du ruban, message, papier imprimé et mini tag. Voilà, il y a tout ce que l'on désire vraiment pour un paquet comme ça. J'en ai pris parce que les autres sont tous les mêmes, tous de la même couleur. Voilà, donc. J'ai pris des encres comme ceci à 75 centimes. Voilà, comme ceci. J'en ai pris deux de même, je crois.
montrer ce que ça donne juste pour un paquet. J'ouvre, voilà, comme ceci. Donc après, voilà, juste comme ça, voilà, de l'encre. Voilà, ça vient d'un peu près, comme ça. Et j'en ai un petit peu mis sur ma main, j'en ai pris un deuxième pour le même prix. J'ai pris un petit lot de ciseaux, j'en ai déjà fait un, et il m'a coûté 1,79€. Voilà pour ce lot. Ensuite, je passe alors à des papiers Clisma découpage, j'en ai pris qu'un seul. Voilà, voyez, j'en ai pris qu'un seul comme ça et un comme ceci. Voilà. Ensuite, là, j'ai pris deux paquets qui m'ont coûté alors 59 centimes de chaque. Ce sont des autocollants, voilà, des stickers autocollantes, comme ça, comme ça. Et c'est pour Noël, c'est marqué Clisma. Deux paquets. Ensuite, je passe à des x6, ce sont des sentiments, 6 sentiments, voilà, comme ceci. J'en ai pris deux. Et donc, ils m'ont coûté 59 centimes. Voilà, de chaque. Voilà. Là, j'ai pris deux paquets aussi. Ce sont des petits stickers avec des hiboux. Moi, je trouvais ça très chou. 75 centimes. Voilà, ce sont des hiboux. Très joli. Et là, ce sont des... comme ça. Voilà. Voilà, pour le même prix, hein. 76 centimes, c'est ça. Voilà. 75 centimes. Voilà. Ensuite, j'ai pris des sequins. Voilà. Et donc, ils m'ont coûté 75 centimes. Voilà. J'en ai pris des couleurs comme ceci et comme ça. Argenté et doré. J'ai pris un petit paquet de stickers en bois. Ouais, c'est des anges. Des adorables pacotilles. 59 centimes. Voilà. Des petits anges. J'ai trouvé ça trop chou. Et je passe à des cerfs en feutrine. Voilà. Alors, ils m'ont coûté 50 centimes. Voilà. 50 centimes. Et c'est comme ça. Très joli. J'en ai pris deux paquets. Voilà. Ensuite, là, j'ai pris... Alors, ce sont des breloques. Des grelots. Hein, pas des breloques, des grelots. Voilà, comme ça. Il y en a des petites, des moyennes, des grandes. Enfin, des grosses. Pour 59 centimes. Voilà. Et là, ce sont des attaches pinces. Voilà. 59 centimes. J'en ai pris qu'un seul petit paquet. Voilà. Comme ça. Voilà. Donc, voilà, ce petit haul nose est terminé. J'espère qu'ils vous auront beaucoup plu. Hein. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue non plus. Voilà. J'espère que le haul action aussi vous auront beaucoup plu. Comment ? Ah oui. Les chaussures. Il m'a pris, pour finir la vidéo, bien sûr, ce haul nose. Il m'a pris des jolies paires de bottes comme ceci. Alors, je les trouve vraiment très, très, très jolies. Ils m'ont coûté que, alors que je vous dis bien le prix, 9,99€. Voilà le prix. Et donc, je les trouve vraiment splendides. Ils sont vraiment géniaux. Très jolis. Voilà. Donc, sur ce, cette vidéo va se terminer maintenant. Vous likez, vous partagez si la vidéo vous a plu pour ces deux hauls. Donc, vous likez, vous commentez. J'adore vos commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, d'actionner la petite cloche. Je vous embrasse tous. Je vous envoie ce cœur magnifique qui défile vers vous. Je vous remercie énormément pour vos abonnements. Voilà, vous êtes nombreux à vous abonner sur ma chaîne. Voilà, donc on se retrouve pour une très prochaine vidéo. Sur ce, j'espère que c'est vraiment ces hauls vous auront beaucoup plu. Likez, partagez, commentez. Et voilà, donc on se retrouve pour une très prochaine vidéo. Bisous à tous et ciao, ciao.